Si vous êtes un investisseur ou si vous vous intéressez à la bourse, vous avez sûrement déjà lu ou entendu l'un des grands principes suivants. L'investisseur ne peut se permettre de placer tous ses fonds dans un même panier ou, en bourse, il y a deux choix, s'enrichir lentement ou perdre rapidement. Ou encore, ce n'est pas en suivant les prévisions de tendance d'un marché qu'on s'enrichit, mais en investissant sur la valeur d'une entreprise à long terme. Ils ont été énoncés pour la première fois en 1934, puis en 1943, par celui qui va devenir le père fondateur de l'analyse financière et de l'évaluation des valeurs boursières, l'économiste américain Benjamin Graham. Il est aujourd'hui passé à la postérité pour son génie mathématique et financier et a été distingué meilleur investisseur au monde de toute l'histoire de la finance par l'ensemble de la profession. Ses performances et sa philosophie ont inspiré un grand nombre de nos milliardaires actuels et ses méthodes sont aujourd'hui enseignées dans tous les cursus spécialisés de toutes les universités du monde. Benjamin Graham a tout compris et l'a écrit à deux reprises dans deux livres dont vous trouverez les liens sous la vidéo. Il s'agit de l'analyse sécuritaire et du célèbre « L'investisseur intelligent », tous deux devenus des références en matière d'investissement boursier et d'analyse financière. Nous allons maintenant vous présenter les principes fondamentaux et impérissables rassemblés par Benjamin Graham dans ses deux ouvrages, principes qu'il a appliqués toute sa vie pour se constituer une petite fortune. Benjamin Graham fait partie de ces personnalités de la finance qui ont connu et traversé toutes les crises et les guerres du XXe siècle et qui ont su en tirer des enseignements, voire les utiliser à leur avantage. Né à Londres en 1894, il grandit en réalité aux États-Unis, à Manhattan, où sa famille s'installe avant son premier anniversaire. Graham va connaître la précarité à la mort de son père dès l'âge de 9 ans. Il décide alors d'exceller dans ses études afin de trouver une bonne situation et de ne plus jamais se retrouver dans le besoin. Il étudie l'économie à Columbia avant d'entrer en 1914 dans le monde de la finance par la petite porte, ou plutôt par la boîte aux lettres, chez Neuberger, Henderson & Loeb, un courtier new-yorkais. Il est resté employé au service du courrier pendant quelques temps, avant d'intégrer l'équipe d'analystes, et là, son génie se fera remarquer. 6 ans plus tard, il s'associe avec ses employeurs. Ses résultats exceptionnels lui permettent de se verser une rémunération confortable pour l'époque, avec laquelle il débute ses investissements à titre personnel. Benjamin Graham réalise sa première véritable affaire en rachetant une société d'exploitation minière en liquidation, qu'il estime sous-évaluée, avant de céder l'entreprise en plusieurs morceaux et d'encaisser une énorme plus-value. Fort de cette première expérience réussie, il élabore sa première théorie de l'investissement dans la valeur, posant en même temps la toute première pierre d'une nouvelle discipline d'avenir, l'analyse financière. Il devient professeur à Columbia et crée en 1926 son fonds d'investissement à Wall Street, le Graham Newman Company, qui réalise l'incroyable performance de 670% d'augmentation sur les 10 premières années de sa vie. Sa société survit au krach de 1929, mais sa fortune personnelle fond comme neige au soleil. Mais jamais à court d'idées, Graham profite de l'occasion pour affiner ses méthodes et publie un premier ouvrage de référence, Security Analysis, qu'il complétera en 1949 par son best-seller, L'investisseur intelligent, plus accessible. Ces deux livres sont certainement ceux qui ont le plus influencé l'histoire de la finance et les méthodes impérissables de Graham ont été adaptées depuis par les investisseurs les plus talentueux. Il est le père de l'investissement dans la valeur, l'inventeur de la marge de sécurité, fervent défenseur de la contre-tendance et du long terme, et il est à l'origine de nombreuses fortunes dans le monde. Maintenant que nous savons pourquoi il faut l'écouter, voyons un peu ce que Ben Graham a à nous dire. Premier conseil, investissez au lieu de spéculer. Selon l'économiste, il existe des différences fondamentales entre investir et spéculer. L'investissement est réalisé après une étude approfondie des fondamentaux d'une société. La spéculation est un pari basé sur le postulat que demain, quelqu'un d'autre sera prêt à mettre plus cher pour acheter la même valeur, que ces raisons soient justifiées ou non. L'investissement participe à la construction d'un patrimoine et permet donc de s'enrichir à long terme, ce qui est impossible avec la spéculation. L'investissement doit être motivé par le souhait d'améliorer la situation de l'entreprise, tandis que le moteur de la spéculation est généralement le gain personnel à court terme. Enfin, à moins d'un cas exceptionnel, difficile de surperformer les marchés sur le long terme avec une opération spéculative. Spéculer est excitant, mais peut aussi s'avérer ruineux. Misez donc sur les horizons de placement lointains. C'est ainsi que les plus célèbres de nos milliardaires actuels ont construit leur fortune et au moyen d'investissements judicieusement placés après une réflexion approfondie, adoptant un comportement passif et observateur, beaucoup plus sain pour les nerfs. Deuxième conseil, profitez des sautes d'humeur de Mr. Market pour faire des affaires. Mr. Market est une allégorie choisie par Benjamin Graham dans L'investisseur intelligent pour personnifier le marché. Il est donc décrit comme un personnage maniaco-dépressif, alternant les phases d'euphorie et de profonde dépression en fonction de l'actualité. Et malheureusement, vous devrez faire avec, car Mr. Market est votre unique partenaire en tant qu'investisseur boursier. C'est lui qui vous achète et vous vend vos actions, et il vous propose pour cela un prix différent chaque jour. Impulsif et irrationnel, il sourit lorsque les économies se portent bien, et il vous propose alors ses actions à un prix plus élevé. À l'inverse, lors des tempêtes boursières, ses angoisses le poussent à se débarrasser de ses stocks au plus vite, et l'obligent à les brader à des prix défiant toute concurrence.
Et il passe d'un état à un autre en parfois quelques heures seulement. L'investisseur intelligent ne doit surtout pas se comporter comme ce partenaire lunatique. Pas question de se laisser submerger par les émotions. Mais il ne doit pas l'ignorer pour autant. Ben Graham dit « Vous devez faire des affaires avec Mr. Market, mais seulement dans la mesure où cela sert votre intérêt. » En clair, profitez des revirements, achetez quand Mr. Market se sent mal et que les prix sont bas. Troisième conseil, ne tenez compte que de la juste valeur d'une société. En théorie, et c'était aussi valable pendant l'entre-deux-guerres, les marchés boursiers sont considérés comme efficients. Autrement dit, la valeur d'une action sur le marché représente fidèlement la valeur d'une société. C'est vrai, dit Benjamin Graham, mais à long terme. Dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Souvenez-vous de l'imprévisible et lunatique Mr. Market. Graham s'est donc intéressé à la valeur réelle de l'entreprise, à ses richesses, à sa rentabilité et à son potentiel. Un investisseur calcule la valeur d'une action en se basant sur la valeur de ses activités. La célèbre Benjamin Graham Formula sert à calculer la valeur réelle et le potentiel d'une société sur les 7 à 10 prochaines années afin de la comparer, et nous verrons cela dans quelques minutes, au prix de l'action cotée. Et vous allez voir que la recette est simple. Prenez le BPA, le bénéfice par action des 12 derniers mois. Prenez la constante 8,5 qui correspond au ratio cours-bénéfice d'une entreprise sans croissance. Prenez ensuite le taux de croissance que vous espérez, que nous appellerons G, et multipliez-le par 2. Prenez une deuxième constante, 4,4, qui représente le rendement moyen des obligations de sociétés cotées triple A. Enfin, prenez Y, le rendement actuel des obligations des sociétés cotées triple A. Avec ces valeurs, créez cette équation. Vous obtenez la valeur réelle d'une société, en anglais, value investing. Ne tenez compte que de cette juste valeur pour fonder votre analyse et non des humeurs du marché. C'est ainsi que procèdent tous les grands investisseurs et milliardaires adeptes des méthodes de Graham, tels que Warren Buffett, Peter Lynch ou Seth Klarman. Quatrième conseil, assurez vos arrières avec la marge de sécurité. Nous venons de voir comment Benjamin Graham calcule la valeur réelle d'une entreprise et son potentiel sur 7 à 10 ans, mais cela ne doit pas suffire à déclencher un acte d'achat. Car en effet, les marchés, rappelons-le, sont inconstants et le futur est incertain. Il faut donc avant toute décision s'assurer en quelque sorte contre ces risques de marché. C'est à cela que sert la marge de sécurité ou en version originale, margin of safety. C'est tout simplement la différence entre la valeur que nous venons de calculer et celle de l'action cotée. La marge de sécurité doit être la plus grande possible afin de servir d'amortisseur en cas de catastrophe financière, et ce, quel que soit le secteur ou la nature des activités de l'entreprise. 30% d'écart sont un minimum pour se protéger des aléas à venir. Cela représente schématiquement les 2/3 de l'actif net d'une société. La marge de sécurité offre le luxe de ne pas avoir à se soucier de l'évolution des cours pendant des années. Comme le rappelle Graham, la fonction de la marge de sécurité est, en substance, de rendre inutile une estimation précise de l'avenir. Elle permet donc de se dispenser de boules de cristal en toute tranquillité. Cinquième conseil, choisissez des entreprises qui présentent le bon profil. Benjamin Graham et ses admirateurs ne misent que sur les grosses sociétés, aux capitaux importants, et qui bénéficient déjà d'une certaine image de marque ou d'une empreinte psychologique sur le public. L'ensemble des dettes ne doit pas dépasser la valeur globale de l'entreprise, autrement dit le total de ses actifs nets réels valorisés, comme par exemple son matériel, ses stocks ou sa trésorerie, doit être supérieur aux dettes. L'entreprise étudiée doit être rentable et faire des bénéfices depuis au moins 10 ans. Enfin, elle doit impérativement verser des dividendes à ses actionnaires, ceci pour couvrir partiellement l'indisponibilité des fonds qui doivent être placés sur de longues durées. Pour ceux qui n'auraient pas la fibre de la finance, les agences de notation telles que la célèbre Standard & Poor's publient régulièrement des rapports d'analyse. Graham recommande de se fier aux notes et de ne pas investir sur des sociétés dont la cotation se situerait au-delà de B. Sixième conseil, il y a un bon moment pour vendre. S'il y a un timing à respecter avant d'acheter, il y en a également un pour vendre. La plupart des investisseurs, ou plutôt Mr. Market, choisit d'acheter quand les économies se portent bien et que les marchés montent. À l'inverse, quand une crise se profile, Mr. Market panique, il vend tout ce qu'il a pour limiter ses pertes et les cours s'effondrent. Or, le marché n'est pas là pour servir de guide mais d'outil. Alors ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Une crise ne doit pas être un motif de vente, car l'expérience de Graham après la crise de 1929 et les suivantes est là pour le prouver, après la chute vient le rebond. Néanmoins, Benjamin Graham a identifié plusieurs motifs de vente. Si le cours de l'action n'a pas augmenté de 50% au bout de 24 mois, si la société suspend le versement de dividendes, si les bénéfices déclinent et tant que la plus-value latente reste supérieure à 50%, alors seulement il vend. Septième conseil, sur le long terme, Mr. Market est un excellent partenaire. Durant toute sa vie, Graham n'a fait qu'appliquer inlassablement les mêmes formules et s'est ainsi bâti une fortune, tout comme de nombreux autres investisseurs intelligents après lui. Mr. Market a beau être parfois de méchante humeur, cela ne dure jamais longtemps. Sur 7 à 10 ans, durée qui est devenue la norme en termes d'horizon de placement en actions, le marché s'est toujours montré un partenaire plus que généreux. Il a par exemple servi 17% de performance par an à Benjamin Graham pendant près de 30 ans, de 1926 à 1956. Un record.
fort. En résumé, pour gagner en bourse, ne spéculez pas, investissez. Achetez pendant les soldes chez Mister Market. Considérez la juste valeur d'une société. Respectez la marge de sécurité. Ne gardez que les bons profils, les grosses sociétés stables et bien structurées. Gardez votre sang-froid face aux remous et attendez le bon signal pour vendre. Et soyez patient, on s'enrichit sur le long terme. Pour en savoir plus sur la méthode de Benjamin Graham, plongez-vous dans les livres que nous avons cités. Si Security Analysis est plus technique et peut s'avérer difficile à déchiffrer pour un investisseur débutant, l'investisseur intelligent vulgarise le contenu et rend la méthode du maître plus accessible. Benjamin Graham s'est éteint à l'âge de 82 ans chez lui, à Aix-en-Provence, en 1976. Il a aujourd'hui fait gagner des dizaines de milliards de dollars à ceux qui ont pris soin d'appliquer ses conseils. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez-la, commentez et posez-nous toutes vos questions dans les commentaires. Et abonnez-vous pour toujours plus d'avis, de conseils et de comparatifs. C'était Monier Radar, à très bientôt.